Active Radio, la start-up est dans le prêt. Ce week-end, le concours de la création d'entreprises en exclusivité sur Active Radio, Sigal FM et Bul FM. On vous l'avait promis, on est en direct depuis le gymnase à côté de l'espace créateur d'entreprise. Avec nous, on a Jeannie. Bonjour, jani Jérôme, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, Jean-Michel Feuillet. Bonjour, bonjour Jérôme et bonjour à tous. À Donc euh, jenny je te laisse présenter euh, notre, euh, notre invité et puis euh, à toi la parole. Oui, surtout présenter effectivement notre invité euh, qui, qui, qui devient un ami au fur et à mesure des, des éditions parce que c'est la troisième édition effectivement de, de cet événement, La start up est dans le pré. J'aime bien euh, l'intituler La start up est dans le pré, ce qui veut dire qu'il y, y, y a le côté proximité. Et aujourd'hui, euh, parfois, ça manque un peu ce, cet aspect proximité. Et, nous aurons tout au long de la journée les porteurs de projets. Alors, Jean-Michel Feuillet est adjoint au maire de Saint-Dizier, de, de M. Cornu-Gentil, qui est le dé, député-maire de, de, de la ville, mais il est également président de la mission locale et c'est une des chevilles ouvrières avec son, son ami Monsieur Novak, je crois un, un élu également. Il nous confirmera de, de, de la ville de Saint-Dizier, mais surtout nous parler de cette initiative de la start-up et dans les prêts, donc troisième édition. Comment est née la, à, à la première édition un, un petit rappel peut-être, monsieur Jean-Michel Feuillet et Écoutez, euh, euh, on, on avait construit l'espace créateur d'entreprise, hein, donc on, on avait des structures qui existaient, mais euh, nous, la base c'est l'homme, hein, l'homme et la femme, et donc il, il, on s'est dit euh, si on arrivait à créer un événement autour du développement économique où euh, on n'est pas coincé, chacun participe à son niveau et apporte quelque chose. Une pierre à l'édifice, on devrait trouver euh, des gens bien qui, qui, qui vont qui vont ensuite développer euh, le, cette idée de, du challenge de l'impossible ou jamais, ou euh, tout est possible en effet, et, et que euh, ben, la graine, quand elle est semée, ben on avance. Alors, on a rencontré des gens hein, qui sont visionnaires, qui, qui, qui nous ont apporté la méthode, et c'est là qu'on a qu'on a dit ben, banco, hein Et euh, au fur et à mesure, ben ça prend de l'ampleur, on en parle, et euh, les gens qui participent euh, deviennent les ambassadeurs de notre de notre cause, hein, qui est le développement économique. Le développement économique, c'est pas des choses difficiles finalement. Euh, chacun avance à, à son rythme et, et euh, euh, moi je, je dis régulièrement, il y a des grosses et des petites entreprises, mais il y a des entrepreneurs, l'esprit d'entreprise, c'est ça qu'on veut développer. Et plus on sera nombreux à se prendre en charge, ben moins on a de problèmes d'emploi et de, et, et, de, et, de, et de vivre ensemble. Alors ce qui est intéressant, les, ce sont les porteurs de, de projets qui participent justement à cet événement, la start-up et dans le pré. Euh, souvent c'est des, des initiatives nouvelles. Hein, c'est de l'innovation, c'est des, des recherches de création d'activités de, tout à fait nouvelles et on parlait de, de proximité il y, a, il y a quelques instants. Ça reste effectivement dans le secteur de, de la proximité. En plus, vous qui êtes non seulement un, un élu, M. Jean-Michel Feuillet, mais aussi président de la mission locale, donc pr près des gens. Notamment des, souvent des 18-25 ans, euh, je suppose qu'il y a des porteurs de projets qui sont des, des jeunes et qui étaient peut-être proches de, de la mission locale. Absolument. absolument. Alors, donc, euh, bon, nous, nous euh, à l'espace créateur d'entreprise, par exemple, on, on identifie les personnes qui, qui seraient susceptibles de devenir entrepreneurs et ensuite on les accompagne. Et euh, la startup est dans le prêt, un événement incontournable dans ce cadre-là. Parce que euh, moi, je, je, je dis aussi, euh, tout le monde gagne hein, à, la, à, la, à la fin de, de notre week-end. Là, on aura bien entendu un premier prix, un deuxième prix, mais chacun aura évolué dans son projet, et, et c'est ça qui est passionnant, parce que euh, et le partage, hein, parce que à partir du ni, alors. Un autre point, quand, quand on veut créer une entreprise, alors on a une idée, hein, et ça représente 5 à 10% de tout le travail qu'il y a à faire. Et ensuite, le plus important, c'est la mise en place du projet. Et pouvoir partager avec d'autres personnes, euh, bah c'est extraordinaire. Et ces jeunes dont on parlait, hein, parce qu'on a oui. beaucoup de jeunes, mais on a des jeunes de la mission locale, mais on a aussi des jeunes de, des arts et métiers de Chalon, des, des jeunes des grandes écoles, et ce partage... Alors bien entendu, il y en a, il y en a qui ont. Quand on est ingénieur, on a d'autres compétences que quand on n'a pas forcément toutes les formations. Mais l'état d'esprit d'entrepreneur, je pense que c'est pas une question d'école, c'est une question d'état d'esprit. Et nous, ce qu'on cherche, c'est justement à développer, c'est participer à développer cet état d'esprit. Alors, important ce que vous venez de dire, développer l'état d'esprit, je crois que M. Novak complétera dans quelques instants parce qu'il était aussi responsable d'une grande entreprise. Mais vous-même, vous avez été aussi responsable d'une grande entreprise ici, Bragarde, sur Saint-Dizier. Donc, vous avez vécu toute cette expérience justement avec vos collaboratrices, vos collaborateurs. Alors, oui. peut-être un, 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 un petit mot de, de, de rappel parce que c'est important quand on était chef d'entreprise d'une grande entreprise ici sur Saint-Dizier. Alors et oui exactement. Moi j'étais patron de Mico hein, à Saint-Dizier. C'est comme ça que je suis arrivé à Saint-Dizier. Mais euh, ce que j'ai appris, c'est quand on présente un projet, souvent on nous dit oui c'est pas possible. On nous présente les problèmes. La question c'est pas de présenter les problèmes, c'est à partir d'un projet comment on va résoudre, hein, trouver les bonnes solutions qui vont permettre de faire bouger les choses. Et c'est pas des, des groupes de travail hein, où on passe des heures et des heures. C'est euh, comment on travaille ensemble pour trouver les bonnes solutions et comment on le fait de manière la plus efficace possible et la plus rapide. Alors, je vous ai posé cette question parce qu'on est à la veille euh, du lancement du, du Festival international du film de Cannes, où Miko est toujours partenaire. On voit effectivement la présence de, de, de Miko euh, chaque année sur, euh, sur la croisette. Et donc, à l'époque où vous étiez en activité, il y avait, il y avait cette présence qui, qui persiste maintenant. Miko ouais. est toujours présent. Ouais. Alors, moi, je peux vous dire que je peux vous parler de l'histoire Miko, hein, <laughs> parce que l'histoire Miko, c'est l'histoire d'une famille. Qui a créé hein, la, la, la marque Miko et qui a fait travailler des milliers de personnes. Ça oui. a été racheté par un groupe international et ça continue. Donc, vous voyez, les, les bonnes idées, les bons concepts, bien, ils perdurent dans le temps, quelles que soient le, le, les, les organisations qui sont mises en place. Et c'est ça qui est passionnant dans l'entreprise. Alors, autre chose d'entreprise, ça démarre, ça naît, c'est comme une vie. Hein. On naît, on vit et puis on meurt après. Ce qui est important, c'est, pour nous, c'est qu'il y ait plus de création et de naissance que de mort, hein. et puis à la fin, eh ben cette dynamique, euh, enfin moi, moi je crois que c'est comme le, le sport, cette compétition, cette envie de se dépasser. Individuellement déjà, plutôt que de, 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 de critiquer en permanence, de se prouver qu'on est capable de faire des choses que les autres, que tout seul on peut pas faire. Alors c'est individuellement et collectivement qu'on y arrive. Et à travers la start-up et dans le prêt, bah moi je suis certain que la majorité des gens auront compris ça. Et donc bah ils deviendront des entrepreneurs un jour ou l'autre, même ceux qui ne gagneront pas. Alors nous sommes euh, à la troisième édition hein, en, de, en 2017. Euh, euh, quels sont les points qui vous ont marqué des, lors des deux premières éditions euh, L'année passée, nous avions collaboré ensemble. La première année, on, on, on diffusait effectivement euh, en co-diffusion avec Active Radio, la, la radio de, de, de la Haute-Marne. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces deux premières éditions bah, C'est le, le, le bonheur de se retrouver, de partager oui. des expériences euh, différentes, euh, cette richesse de, de l'homme avec un grand âge, hein, homme et la femme, et qui fait que on, on s'aperçoit que quand on est ensemble, plus rien n'est impossible. Hein, euh, tout seul, on, on bute devant un, un problème, et puis on se retrouve ensemble, puis il y, y en a un qui sort une nouvelle idée, et puis il y en a une autre idée, et puis à la fin, bah, on trouve la meilleure solution. Voilà. Alors, ce qu'on a fait par rapport aux autres fois, c'est que l'unité de lieu, là, on le fait au gymnase, oui. parce qu'on avait tendance à se déplacer. On a fait un, un exercice de team building. En début de, de séance, euh, startup et dans le prix, la, le team building. Vous vous innovez d'édition en édition ouais, finalement. Ouais, ouais. 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 Co co considérant qu'on doit toujours s'améliorer, hein, comme toute entreprise, se remettre en question permanente, hein, euh, en permanence, et euh, ben, croire les uns dans les autres, et de se faire confiance, et surtout ne pas critiquer. Euh, enfin, critiquer positivement, oui, mais négativement, euh, ça nous intéresse pas du tout. Ça, hein, c'est le projet d'abord, et envie de se, se dépasser individuellement et collectivement. J'ai retenu le mot critique, mais c'est de la critique positive, hein, ouais, c'est ouais. aller de l'avant. Ouais. Et puis j'ai re, retenu aussi que vous, que vous avez parlé d'hommes et femmes, et, et on ressent euh, chez vous aussi des, des qualités essentielles, des, des, des qualités humaines, et aujourd'hui je crois qu'il faut savoir remettre euh, l'humain au cœur de l'essentiel, et c'est un des projets dans le cadre de la start-up et dans le pré. Ouais. La richesse, hein, c'est l'homme ouais. qui fait le tout, hein, c'est pas... Ce n'est pas les structures, c'est les, les structures sont des moyens, c'est l'homme qui fait tout. Ouais. Alors avant de vous retrouver dans le courant de, de, de la journée, Monsieur Jean Michel Feuillet, donc adjoint au maire de, de la ville de, de Saint-Dizier, président de la, la mission locale, une petite question traditionnelle avant de lancer cette grande journée, cet événement, si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette troisième édition, quel serait ce souhait ou ces souhaits. Bah écoutez que que ça continue euh, comme ça. Hein. Moi je 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 bois du petit lait chaque instant que, que nous vivons. est une minute <laughs> privilégiée pour moi. Puis que ça continue déjà, ce serait bien. Toujours en s'améliorant, en écoutant les autres et puis que qu'on nous apporte encore de nouvelles idées pour être encore meilleur, pour apporter encore de meilleurs services aux autres. En souhaitant effectivement que cet événement soit un événement euh, référence puisque c'est une des grandes premières que nous vivons aussi au niveau de, de nos radios en collaboration avec Active Radio la radio de la Haute Marne mais également avec Bulle FM et Pernay et nous-mêmes Sigal FM Champagne à Arras, puisque nous diffusons aussi euh, en simultané sur Internet. Alors, on fait connaître Saint-Dizy, on fait connaître euh, l'événement de la start-up et dans les prés, non seulement effectivement dans notre grande région, que l'on appelle la, la, la grande euh, région Grand Est, mais également euh, aussi peut-être sur d'autres continents, puisqu'on a le relais en simultané sur Internet. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir en effet et eh bien, une grande fierté merci beaucoup monsieur Jean-Michel Feuillet on va se retrouver dans le courant de la journée je crois qu'on va accueillir dans quelques instants monsieur Philippe Novak, qui est aussi un, un chef d'entreprise qui va nous parler comme vous nous avez parlé en quelques minutes effectivement de votre expérience de responsable de, de chez Mico, hein, cette entreprise phare de, de Saint-Dizier il nous parlera aussi de son, son expérience professionnelle et puis bien sûr de la start-up et dans le prêt, une bien belle innovation effectivement euh, un très très beau projet euh, qui vit sa troisième édition et comme vous l'avez dit dans un même lieu maintenant on a tout regroupé pour qu'il y ait une meilleure communication un meilleur échange entre les porteurs de, de, de projets et le public merci beaucoup voilà donc euh, retour d'hit sur euh, active radio